Recevons à Reverend Alré grand pardon terre dévote. Accueillons maintenant la Kevren Alré qui a décidé d'axer son travail sur Notre-Dame de Kerdévote. Ils ont donc choisi de nous parler du pardon par rapport, et c'est intéressant de le souligner, aux proches d'une des danseuses de la Kevren Alré, des proches qui ont pour habitude et fierté de participer à la procession de ce pardon. Kerdévote est connu pour être par excellence le pardon du pays glazique et au vu de l'importance des croyances et des chapelles dans le pays, cela leur a paru comme un des éléments importants pour représenter le terroir. Ils ont choisi de dater leur suite dans les années 60 par rapport aux danses qu'ils nous présentent, Gavotte Jabadao et Gavotte d'honneur. Et ils vont se situer le jour même du grand pardon de Kerdévote, après la messe et la procession derrière les bannières. Il était fréquent de voir certains pèlerins aller de ferme en ferme, rendre visite aux cousins, et ces retrouvailles étaient l'occasion de faire quelques pas de danse avant de partager le ragoût de bœuf et de reprendre la route. Sans bien sûr oublier de passer par la fontaine pour y jeter quelques pièces en faisant vœu de bonne santé au dernier qui doit naître d'ici de petits mois. Place à la Kevren Alré autour de Notre-Dame de Kerdévote. Nous sommes le 8 septembre 1966, jour de grand pardon de Kerdévote. Certains pardonneurs venant en char ardent depuis Combrique puis du camp nous ont laissés à Carnaoum. En effet, la pluie ne cesse de tomber depuis une semaine. Les chemins boueux ne permettent pas d'accès aux chevaux. Peu importe, ce n'est pas cela qui va nous arrêter. Nous attendons cela depuis longtemps. Nous avons tout prévu, nous serons présentables pour Notre-Dame de Kerdévote. Nous avons prévu une deuxième paire de chaussures pour notre arrivée. Après la messe et la procession, derrière les bannières, nous irons de ferme en ferme rendre visite aux cousins et sûrement dans la joie de nos retrouvailles, nous profiterons pour faire quelques pas de danse. Nous partagerons le ragoût de bœuf et reprendrons la route. Sans bien sûr oublier de passer par la fontaine pour y jeter quelques pièces en faisant vœu de bonne santé au dernier lieu qui doit naître d'ici deux petits mois. Oh!